Alors bonjour, moi c'est Sarah, je suis chez Aston depuis 2018 en tant qu'alternante. Alors mon rôle, donc j'ai une double casquette, je suis développeuse full stack, donc je fais aussi bien du front que du back, et je suis aussi chef de projet technique. Qu'est-ce qui me passionne? Ah, j'ai envie de dire les deux, hein, parce que de suivre un projet et puis bah, de le matérialiser en le codant, bah, voilà, c'est mon petit kiff. Alors, l'équipe se compose de 4 développeurs et donc du coup, on a choisi de travailler en agilité. Donc, on fait du Scrum avec des itérations et puis ben, tout ce qui va dans le Scrum, donc ben, les daily, les rétros, les sprint planning et tout ça. Moi, j'ai choisi Aston parce que souvent, après un bac plus 2 en développement, on propose des licences en 1 an. Et le parcours de concepteur-développeur, en fait, il se fait sur 2 ans. Et je trouvais que c'était plus, ça me correspondait plus, en fait, pour pouvoir consolider bah aussi bien la partie théorique et puis l'alternance qui se fait du coup aussi en 2 ans et donc gagner plus en expérience. Alors du coup, après un BTS SEO, j'ai choisi Aston pour faire un diplôme de concepteur-développeur nouvelle technologie. Donc, j'ai obtenu ce diplôme et par la suite, j'ai choisi de faire le diplôme de chef de projet puisque auparavant, en fait, j'avais déjà une expérience professionnelle en tant que manager. Donc du coup, je voulais un peu mixer mon passé avec mon futur travail. Alors, la valeur qui ressort le plus chez Aston, je pense que c'est le partage, que ce soit du point de vue des formateurs. C'est-à-dire quand on est en cours, bah voilà, ils ne nous laissent pas tomber, ils nous accompagnent. Et même en dehors des cours, moi ça m'est arrivé de bloquer sur certaines problématiques. Et du coup, voilà, j'ai pu contacter mes formateurs même pendant ma période en entreprise. Et du coup, voilà, j'ai pu combiner les informations que m'apportait mon tuteur et les informations que m'apportaient mes formateurs pour pouvoir mener à bien mes missions.